amateurisme, effectivement, un double sens. Alors, au sens de aimer, nous, les archéologues, nous aimons notre métier. C'est un métier de passion, l'archéologie. Donc, il y a, dans cette acception, il y a effectivement le mot aimer. Et là, il n'y a aucun problème. Maintenant, l'amateurisme au sens de celui qui aime, mais qui n'est pas professionnel. Ça nous a toujours posé un gros problème, nous, en archéologie. Parce que toutes les disciplines ont été créées par des amateurs. La physique, n'importe quelle discipline ont été créées par des amateurs. Mais à un moment donné, si on veut que la discipline fonctionne en quelque sorte à plein régime, il faut des gens qui travaillent à plein temps. Et moi, j'ai connu l'époque, en archéologie en particulier, lorsque je suis arrivé sur le marché à 20-25 ans, où les amateurs étaient encore importants. Alors c'était le mot amateur, en même temps, je ne l'aime pas trop, parce qu'il peut recouvrir des choses très différentes. Il y a encore d'excellents amateurs, c'est-à-dire des gens qui, pour des raisons diverses, n'ont pas été professionnels, mais qui ont les qualités, qui ont le savoir des professionnels. Alors cela, je dirais, ne pose aucun problème. Mais il y a aussi des amateurs qui sont simplement des gens qui peuvent être passionnés, bien entendu, d'archéologie, mais qui souvent n'ont pas les compétences, souvent n'ont pas le temps de pratiquer l'archéologie comme peut la pratiquer un professionnel. Le professionnel, il travaille en permanence, 24 heures sur 24, son cerveau travaille sur le sujet. Et il est appelé très rapidement à dépasser les amateurs, c'est-à-dire à réélever les amateurs dans un niveau, dans un réduit en quelque sorte, où ils ne peuvent plus tenir tête à l'avancement de la discipline. Et ça, c'est très dommageable. Alors le problème, c'est que de mon temps aussi, il y avait deux sortes d'amateurs. Et donc, il y avait les bons, qui travaillaient avec les professionnels, la main dans la main, qui ne posaient aucun problème. Et puis, il y avait des gens qui étaient d'une certaine façon anti-professionnels, parce qu'ils se rendaient compte que les professionnels, petit à petit, étaient en train de leur manger leur propre statut. Cela était anti-professionnel et ils s'appuyaient souvent sur, par exemple, des politiques locaux qui les estimaient, parce qu'il n'y avait pas de raison de les proscrire, et qui, en quelque sorte, mettaient des bâtons dans les roues, d'une certaine façon, aux professionnels, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient eux-mêmes dépassés et qu'ils ne pouvaient pas suivre la vitesse, la rapidité avec laquelle la discipline évoluait. Alors cela, ils ont posé problème. Je pense que la plupart aujourd'hui ont disparu. Mais pendant un moment, ils ont été un frein, d'une certaine façon. Alors qu'ils croyaient bien faire, ce qui n'était pas faux non plus, d'une certaine façon. Donc, moi, j'ai connu le temps, par exemple, où j'avais un de mes patrons qui disait, et c'était pas faux, l'archéologie ne sera réellement devenue une science adulte que lorsqu'elle sera professionnalisée. Et il avait raison de ce point de vue. Mais d'une certaine façon, les amateurs qui voulaient bien faire, mais qui n'avaient pas suffisamment de temps, qui n'étaient pas outillés, qui souvent dessinaient mal. Moi-même, je n'ai jamais été un très bon dessinateur, mais j'avais les moyens souvent de faire dessiner le produit de mes découvertes, n'est-ce pas? Bon, les amateurs, ils ne pouvaient pas suivre le rythme en quelque sorte, et donc ils tiraient la discipline vers le bas. Voilà pourquoi petit à petit les amateurs ont disparu à l'archéologie. Et ceux qui subsistent sont la plupart du temps des sortes de simili-professionnels. Voilà. Qui souvent mettent leur propre denier en jeu pour tenir le niveau. On sait qu'au néolithique, il y a d'excellents tailleurs, c'est pas de la pierre, qu'on appelle des maîtres tailleurs, et puis il y a les apprentis, il y a des gens qui taillent mal le silex, et les spécialistes de ces périodes-là font bien la différence entre ce qui a été taillé par un tailleur compétent et les outils qui ont été taillés par des apprentis, des amateurs, ou voire des gens qui s'amusaient, etc. Donc,
ceux-là, on peut les cataloguer dans le rayon des amateurs, alors que les autres, ce sont déjà des pros, d'une certaine façon. Voilà ce qu'on peut dire, à mon sens. Tu dis amuser aussi, c'est-à-dire qu'on peut dans cette, on peut Oh, appréhender amuser, des. oui, parce que je pense que certains enfants, par exemple, voyant des adultes ou des gens compétents taillés, ont pu essayer de répéter le geste technique sans y arriver. On peut parler d'amateurisme, peut-être, à ce moment-là. L'accent énolithique, nous n'en savons rien du tout. Rien du tout parce qu'il n'y a aucun texte. Les textes n'apparaissent qu'aux environs de 1500 avant notre ère, donc il n'y a pas de texte 1500 avant notre ère pour l'Europe. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a les textes déjà, il y a les hiéroglyphes égyptiens, il y a le cunéiforme mésopotamien, etc. Mais s'agissant du néolithique, on ne peut absolument rien en dire. Maintenant, la première question est intéressante. J'avais un patron qui était méridional et lorsqu'il allait à Paris, il contrefaisait un peu son accent. Il me disait, il n'aime pas beaucoup notre accent. Donc, il faut essayer de le brider un peu, de le calmer. Bon, je n'ai jamais su le faire. Donc, j'ai toujours gardé mon accent. Est-ce que ça m'a servi, est-ce que ça m'a desservi? Probablement les deux. Ça m'a servi dans la mesure où je pense que j'ai toujours, à travers l'accent, fait montre d'une forme d'authenticité. Je pense que ça m'a aussi desservi parce que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours, je n'ose pas employer le mot racisme parce qu'il est peut-être trop fort dans ce cas-là, mais il y a toujours le fait de regarder l'accent méridional depuis Paris comme quelque chose de dévaluant, je crois. Il me semble. Vous voyez par exemple les romans et les films qui ont été tirés de Pagnol. Bon, ça prête à rire. Ça prête à rire. Autrement dit, on apprécie peut-être les acteurs, etc. Mais il y a le fait que dans le Midi, bon, on paraît plus nonchalant, on prend la vie du meilleur côté, on n'a pas que ce côté stressé que peuvent avoir les gens qui sont à Paris. Et c'est interprété comme quelque chose de négatif. Donc, l'accent, c'est une arme à double tranchant. Et moi, je n'ai jamais modifié mon accent, et je n'aurais pas pu d'ailleurs, je n'aurais pas pu. Et j'ai enseigné au Collège de France avec mon accent. Et d'ailleurs, je dois dire que lorsque j'ai été élu au Collège de France et lorsque j'ai fait ma leçon inaugurale, l'administrateur, qui s'appelait André Miquel, qui s'appelle André Miquel, qui est un arabisant de très haut niveau, lorsqu'il m'a présenté au moment de la leçon, a dit « Aujourd'hui, il y a un archéologue qui entre au Collège de France, mais il y a aussi un accent. » Il le disait avec toute l'amour, la complicité du méridional qu'il était lui-même. Il n'avait jamais entièrement perdu son accent, mais évidemment cet accent avait été, au fil de sa carrière parisienne, un peu amoindri, bien entendu. Ceci dit, finalement, je ne vois pas en quoi je ne serais pas fier de mon accent. En tout cas, je l'ai conservé et vogue la galère. Mais le problème, c'est que souvent tu me poses des questions dans le néolithique. Il faut bien se dire que dans le néolithique, nous n'avons pas les langues néolithiques, nous ne les connaissons pas. Nous n'avons aucun texte. Donc nous ne pouvons discuter qu'à partir d'objets matériels. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des notions un peu sur peut-être la société de l'époque, bien entendu. Mais beaucoup plus sur des problèmes techniques, matériels. Là, nous sommes documentés. Le reste, c'est un peu plus extrapolé lorsque nous interprétons, bien entendu. Alors, l'altruisme au sens de l'empathie qu'on peut avoir pour les autres. Ouais. Bon.
Ben, moi, j'ai essayé de faire preuve d'altruisme en vivant ma propre passion pour l'archéologie et en essayant de la faire partager. Donc, dans la mesure de mes possibilités, j'ai aidé toute une génération de jeunes chercheurs à devenir des chercheurs au CNRS, des professeurs ou des maîtres assistants de l'université. Donc, à faire partager mon plaisir, parce que un plaisir qu'on ne partage pas, ça n'est pas un plaisir, finalement. Donc, il faut être. Nous sommes des animaux, nous sommes grégaires quelque part. Donc, il faut être un groupe pour goûter collectivement certaines choses. Ce qui fait que j'ai essayé de mon mieux. Et alors, je n'ai fait aucune distinction dans les origines des gens qui sont venus vers moi, dans leur idéologie, etc. J'ai pris des gens de tous les bords. Je ne me suis jamais occupé de leurs origines, de ce qu'ils pouvaient penser, etc. Il n'y avait qu'un dénominateur commun qui m'intéressait, c'était la passion pour l'archéologie. Voilà. Ça, j'ai essayé de défendre cette position. Et tous ceux qui ont voulu travailler un peu d'arrache-pied, parce que ça n'est pas une profession facile, tout au moins au début pour y entrer, je pense que ces gens-là ont pu, à leur tour, trouver un équilibre, un plaisir, et les faire partager à ceux qui venaient après eux. Il faudrait préciser un peu, parce que là, la répétition, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur une période donnée en archéologie, le matériel qu'on voit sortir de terre pour une période donnée, il a un côté répétitif, en quelque sorte. Mais cette répétition est intéressante dans la mesure où répétition veut dire accumulation, caractère cumulatif des données. Et nous, plus nous avons de données statistiquement, plus les théories, les hypothèses que nous pouvons formuler ont quelque chance d'être fiables. Donc, la répétition des données peut conforter certaines hypothèses et peut même les, en quelque sorte, en faire presque des lois. Chez nous, en archéologie, en quelque sorte, les données sont cumulatives. Autrement dit, les premiers chercheurs qui ont commencé de fouiller ont commencé à mettre à la disposition des générations qui ont suivi des documents. Et puis, au fil des générations, cette documentation n'a cessé de grossir. Et en grossissant, en s'accumulant, en se répétant, justement, cette accumulation permet d'aller plus loin dans l'interprétation des données. Et de manière plus solide. Finalement, nos recherches, c'est le contribuable qui les paie. Nous sommes des fonctionnaires, que nous soyons des universitaires, que nous soyons des chercheurs du CNRS, que nous soyons des chercheurs de l'INRA, là, ce sont des. En quelque sorte des aménageurs qui paient dans le cas de l'INRA. Mais, de toute façon, cet argent, c'est de l'argent public, finalement, quelque part. Et même si c'est de l'argent privé, le système est abondé par l'argent public. Alors, c'était quoi déjà le mot? C'est rédaction. Rédaction. Alors, nous sommes payés, mais nous ne sommes pas payés simplement, je dirais, ou ne faisons pas de recherche qu'avec des crédits pour mettre au jour simplement des données. Ces données, nous avons en quelque sorte la mission de les faire connaître d'abord à la communauté scientifique qui est la nôtre, mais également à un plus large public. Et tout cela passe par la rédaction. La rédaction d'articles pointus dans des revues spécialisées, ou alors par des ouvrages de vulgarisation ou des catalogues d'exposition, etc. C'est-à-dire que le travail de l'archéologue, ça n'est pas simplement d'être sur le terrain, c'est aussi d'être au bureau devant la feuille blanche. Et là, on touche à un point faible de l'archéologie. C'est que souvent, les archéologues s'exonèrent de ce travail final et qui est un travail, d'une certaine façon, qui est dû à la collectivité
qui vous a chargé d'une mission. La mission de fouiller tel site, mais la mission aussi, lorsque vous l'aurez fouillé, d'en rédiger les résultats et de les transmettre à la collectivité. Aller sur le terrain, par exemple lors des fouilles programmées l'été, avec les amis, les copains, les copines, etc. L'esprit de groupe, le plaisir de la fouille, parce que c'est un gros plaisir, le sens de la découverte, tout cela est très motivant. Se retrouver seul enfermé dans un bureau devant la feuille blanche, il y a beaucoup d'archéologues qui rechignent. Je vais vous raconter une histoire. Dans les années 80, lorsque j'étais membre du Conseil supérieur de la recherche archéologique, nous avions fait le constat que beaucoup de nos collègues dont les chantiers étaient abondamment financés sur les deniers publics ne publiaient pas beaucoup. Bon. Ah, ils savaient, en quelque sorte, faire de la mousse autour de leur gisement, c'est-à-dire faire venir des journalistes qui faisaient des articles avec de gros titres dans les journaux, etc. Mais lorsque eux-mêmes devaient ensuite passer à la case rédaction, on ne les voyait pas beaucoup. Alors, j'avais proposé que tous les gens dont les chantiers avaient été bien subventionnés et qui, en quelque sorte, avaient du retard dans leur publication, n'aient plus droit à aucune autorisation de fouille. Et comme moi-même j'avais aussi quelques passifs, je me mettais, pour mieux faire passer la pilule, parmi les coupables, n'est-ce pas? Et donc j'ai dit, ben voilà, pendant 2 ans, on nous donne les moyens, en quelque sorte, de faire les analyses, de travailler, on arrête et on écrit. Je crois que j'ai été à peu près le seul à défendre cette motion. J'ai eu tous mes collègues contre moi. Vous ferez difficilement admettre à un archéologue qu'il n'a pas à fouiller et qu'il a à écrire. C'est comme ça. C'est comme ça parce que la fouille, c'est captivant, c'est la réalisation de la passion, c'est une fuite en avant. Et donc, étant une fuite en avant, c'est quelque chose qui n'est jamais fini, à la limite. Or, je rejoins une question antérieure. Au bout d'un certain temps, lorsque vous voyez un site, vous accumulez des données, mais ces données sont répétitives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour un gisement donné, elle n'apporte guère plus rien. Et donc, il faut passer à la case rédaction. C'est toujours très difficile. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la rédaction. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de terrain, mais à travers mes publications, à travers mes monographies, mes ouvrages de synthèse, j'ai essayé de tenir une sorte d'équilibre entre le terrain et l'écriture. Je n'ai pas le culte de l'écriture en même temps. Je reconnais que c'est un moyen de communication révolutionnaire. Je reconnais qu'entre un archéologue qui a à côté des textes et un archéologue qui travaille sur des périodes sans texte, évidemment, l'un est favorisé, mais le texte lui-même, ça n'est jamais qu'une source documentaire. Il peut mentir, le texte. Par exemple, lorsque nous sommes à la jonction des civilisations qui n'ont pas l'écriture de celles qui ont l'écriture. Bon, la guerre des Gaules de César. César écrit sur des Gaulois qui n'ont pas l'écriture. Donc, il peut raconter ce qu'il veut, à la limite. Nous n'avons pas la contrepartie. Il nous dépeint les Gaulois, mais est-ce que sa vision est juste? Est-ce qu'elle n'est pas volontairement orientée pour que lui-même en tire quelque avantage? Vous voyez, l'écriture, c'est un peu comme la langue des orques, c'est la meilleure et la pire des choses, à la limite. Soyons prudents. Bon, je vois où tu veux en venir, le chat. On peut croire que le chien et le chat, qui sont aujourd'hui des animaux de compagnie, ont intéressé l'homme de façon secondaire, c'est-à-dire que l'homme a d'abord pensé à manger, c'est-à-dire qu'il a tué des animaux à la chasse pendant très longtemps, tout au long des temps paléolithiques. Au cours du néolithique, également, il fallait manger de la viande, entre autres. Et donc, on s'est intéressé à des animaux à viande, le bœuf, le porc, la chèvre, le mouton, pour ce qui concerne l'ancien monde. Et que dans les animaux de compagnie, au fond, c'est de la fantaisie. Ça n'est venu qu'après. Eh bien, non, justement. C'est le chien qui est l'espèce... C'est la lettre C aussi. Le chien est l'espèce qui a été le plus anciennement domestiquée,
Et le chat, eh ben, il est domestiqué assez anciennement. Pendant longtemps, on a cru que c'était les Égyptiens qui avaient domestiqué le chat. Mais vous savez que j'ai découvert avec mon équipe à Chypre un chat enterré avec un bonhomme et qui est certainement le témoignage le plus ancien d'une sorte de domestication, à tout le moins d'apprivoisement. Et on se rend compte d'ailleurs que peut-être avant même cette sépulture qui date des environs de 7300, 7200 avant notre ère, bien avant, le chat déjà était importé à Chypre autour de 9000 avant notre ère, et donc il y avait déjà des chats domestiques ou subdomestiques, parce qu'on peut discuter sur la domestication du chat. Le chat, il n'est pas domestiqué par l'homme. Il s'est autodomestiqué dans la mesure où il est venu manger les souris qui venaient elles-mêmes manger les stocks de céréales que les premiers paysans avaient mis de côté. Donc le chat, c'est une espèce qui est commensale, qui est venue vivre auprès de l'homme et qui est progressivement devenue un animal de compagnie. Et alors moi je suis très heureux d'avoir découvert cette sépulture de chat qui a été ensuite mise en valeur, orchestrée par Jean-Denis Vigne, parce que ça a apporté un plus à nos recherches chypriotes. Et alors ce qui est assez amusant en archéologie, c'est que souvent, ce sont les choses qu'on n'attend pas, qui deviennent un peu emblématiques, presque un peu mythiques. C'est parce qu'on a trouvé cette sculpture de chat, et on en a beaucoup parlé, on a eu un pressbook ensuite à partir de cette découverte et de notre publication dans Science absolument énorme. Et donc souvent, quand on me dit « Ah, mais vous avez fouillé à Chypre, oui, c'est vous qui avez trouvé le chat. » Bon, je viens, c'est pas pour ça qu'on est allé fouiller à Chypre, c'est pas pour ça que nos recherches ont de l'intérêt, mais c'est un point qui est assez amusant. Le cercle. Alors, ça pose des problèmes en archéologie, le cercle. Et je pense tout de suite à quelque chose. On s'aperçoit que un certain nombre de sites de la fin du néolithique, du sud de la péninsule ibérique, sont circulaires. Pourquoi le cercle ? Pourquoi cette notion de cercle, cette notion de géométrie inspire-t-elle à ce point? Il n'y a pas que ces sites-là, il y a d'autres sites, n'est-ce pas? Certaines enceintes néolithiques qui sont systématiquement circulaires. On a les choses plus anciennes encore. On a des sortes d'enceintes, dès le néolithique ancien d'ailleurs, à travers l'Europe, qui sont systématiquement circulaires, avec des portes. Et ces sites, souvent, ne sont pas des sites d'habitat. Ce sont des sites de réunions périodiques, de fédérations, de populations à certains moments de l'année ou au cours du temps. Donc, en quelque sorte, l'appel à des populations qui vont se réunir se réalise dans des lieux qui sont des lieux circulaires. Bon. Alors, pourquoi le cercle, pourquoi cette géométrie, je n'ai pas la réponse, je pense qu'elle est inscrite un peu peut-être dans le subconscient de l'homme. Autrement dit, le cercle est une figure en quelque sorte que l'homme cherche à réaliser en permanence. Je pense qu'elle est dans son système de pensée quelque part. Le carré là. Le carré c'est un peu pareil, mais on voit beaucoup plus de cercles que de carrés. Alors, pour rester dans cette opposition cercle et carré, les tentes des chasseurs paléolithiques pouvaient avoir plusieurs formes, mais elles sont souvent circulaires. Et les premières maisons que l'on voit apparaître au Proche-Orient, les premières maisons stables, qu'il s'agisse de maisons de chasseurs-cueilleurs, lors de ce qu'on appelle le Natoufien, ou lors de ce qu'on appelle le premier néolithique pré-céramique, le néolithique pré-céramique A, ces maisons sont circulaires. Et dans un second temps, ces maisons deviennent quadrangulaires. Alors elles peuvent être carrées, mais la plupart du temps elles sont rectangulaires. C'est-à-dire que on est passé d'un stade technique où l'on faisait du rond,
systématiquement, c'est-à-dire où l'on répliquait en dur le modèle de la tente des chasseurs-cueilleurs, on est passé à du quadrangulaire, c'est-à-dire à partir... Parce que le rond, il est intéressant, mais plus vous l'élargissez, plus vous l'agrandissez le rond, plus, si vous construisez une maison, se posent des problèmes de toiture. Voilà. Alors le rond, ça va très bien tant qu'on est en plein air. Mais à partir du moment où on veut couvrir, le rond, à un moment, il n'est pas extensible. Alors on peut mettre plusieurs poteaux, on en met deux, on en met quatre, etc. Ben ouais. Tandis que si vous faites quelque chose de quadrangulaire, vous pouvez toujours ajouter des cubes, vous pouvez toujours ajouter des pièces, des salles, etc. Et donc à un moment donné, dans le courant de la transition de ce premier néolithique, néolithique pré-céramique, on voit progressivement le passage à des maisons ou à des constructions, ou à des édifices qui sont quadrangulaires. Tout ça parce qu'on a appris à chaîner les angles. C'est-à-dire, si vous mettez quatre murs les uns à côté des autres, ils ne tiendront pas. Mais si vous chaînez les angles, les murs, en quelque sorte, vous constituez une assise qui est en quelque sorte une armature qui est beaucoup plus solide, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, on a fait des maisons quadrangulaires. Mais en même temps, il y a toujours des problèmes de tradition intellectuelle. C'est-à-dire que vous avez toujours des maisons, au Proche-Orient par exemple, c'est le cas à Chypre d'ailleurs, des maisons qui sont restées circulaires. Et si vous regardez, à une époque beaucoup plus récente, mettons au troisième millénaire, ce qui se passe en Europe, ben vous avez des maisons rectangulaires, courtes, vous en avez de longues, et vous avez toujours des maisons circulaires. Donc, en même temps, il y a des traditions culturelles qui maintiennent le principe de tel style, de tel plan de construction. Oui, on peut dire que finalement, cultiver, c'est un acquis du néolithique. Alors, c'est un acquis du néolithique, entendons-nous bien. Les néolithiques, au début, sont toujours des chasseurs-cueilleurs. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui, en cultivant, se transforment et deviennent des néolithiques, en quelque sorte. Donc, cultiver, cultiver au sens, en quelque sorte, végétal du terme, hein, ben, c'est évidemment le fin du néolithique. Au fond, qu'est-ce que c'est le néolithique? C'est le passage à l'agriculture. Et donc, le moment à partir duquel on se met à cultiver les céréales, les légumineuses, etc. Donc, cultiver, c'est au fond l'un des grands sauts de l'humanité. C'est le moment où le chasseur-cueilleur devient un sédentaire définitif, devient un agriculteur, et l'agriculture va transformer un peu l'histoire du monde. À travers un certain nombre de berceaux, que sont le Proche-Orient, la Chine, le Mexique, la Nouvelle-Guinée, l'Afrique un peu plus tard, etc. C'est à travers ces berceaux que l'humanité, en cultivant, n'est-ce pas, s'est transformée et est devenue cette humanité de paysans d'où nous sommes issus. Cette humanité ne se contente pas de cultiver, elle se cultive aussi. Elle se cultive, mais ça... il faut mettre un bémol. L'humanité se cultive depuis toujours. Autrement dit, même les civilisations les plus anciennes, n'est-ce pas, des galets taillés, des galets aménagés, tout ça représente une culture, c'est-à-dire représente un savoir. Donc, toutes les cultures préhistoriques se cultivent d'une certaine façon, c'est-à-dire acquièrent des savoirs, les perfectionnent et les transmettent aux générations suivantes qui, à leur tour, vont apporter cumulativement leurs propres savoirs, leurs propres expériences. Donc, l'homme se cultive depuis toujours. Ça aussi, je pense que croyance culture, on peut le mettre, je dirais, en parallèle. C'est-à-dire que depuis les temps les plus anciens, l'homme a toujours des croyances. Ces croyances, nous ne les connaissons pas. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, nous voyons qu'il y a des rituels, etc. Autrement dit, la documentation archéologique qui devient plus précise nous donne une idée, non pas tellement sur les dogmes, c'est-à-dire sur les croyances elles-mêmes, mais sur les rituels
qu'elle appliquait et qui devait correspondre à des croyances qui, elles, sont plus difficilement accessibles. Donc, des croyances, il y en a toujours. C'est comme la culture. Et l'archéologue, il croit, lui ? L'archéologue, c'est un individu comme l'autre, il croit ou il ne croit pas, il croit en certaines choses, il ne croit pas en d'autres. Là, le registre est immense, ça relève de l'individu lui-même et de sa, de ce qu'il entend déjà par croire. Moi, je crois en ma discipline, c'est-à-dire je crois qu'elle apporte à l'humanité un savoir, une connaissance qui, d'une certaine façon, le tire cette humanité vers le haut. Bon, si vous vous mettez dans le si vous posez le problème de la croyance en Dieu, ça, bah, le problème n'est pas du tout le même. Moi personnellement, je suis agnostique, bon. Mais je respecte toutes les croyances. Et je ne suis pas anti-religieux. Je suis agnostique, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin du concept de divin pour vivre. Voilà. Et je ne suis pas tourmenté par ce concept-là. Ça ne m'empêche pas d'avoir une conscience, voilà encore un terme avec un C, et d'avoir, je pense, un comportement qui vaut celui d'autres personnes. L'archéologie, l'habitat, c'est le lieu où hommes et femmes et enfants vivent, qui choisissent de l'habitat. On donne à l'habitat au moins deux sens. Et l'habitat en général, c'est le lieu, c'est la grotte, c'est le campement. C'est un habitat temporaire, provisoire. Mais lorsqu'on a affaire à un habitat définitif, n'est-ce pas, au néolithique en particulier, ça peut être la ferme, ça peut être le village, etc. Et l'habitat n'est jamais, souvent, au néolithique en particulier, que la somme de plusieurs habitations, c'est-à-dire plusieurs maisons. Habitations, mais aussi peut-être lieu de culte, lieu où l'on pratique des rituels, etc. Donc l'habitat, disons qu'en gros, c'est l'espace domestique, n'est-ce pas, où vivent les populations. J'ai toujours un problème avec le mot habitus. Je ne sais pas trop exactement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que je pense que c'est toute une série de règles, conscientes ou inconscientes, qui motivent en quelque sorte les individus, et souvent sans qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Si, je ne sais pas si je suis proche de ce que pensait exactement Bourdieu là-dessus. Je pense que je ne dois pas être très loin en quelque sorte de sa définition. Oui, on parle d'incorporation. Pardon ? Vous parlez d'incorporation. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que lorsque vous vivez dans un habitat, c'est-à-dire par exemple dans un espace fermé, il se crée automatiquement des comportements qui peuvent être des comportements des habitudes, c'est-à-dire on met les objets à un endroit, on réalise certaines activités à tel autre endroit, on accomplit des gestes, on accomplit des attitudes de respect par rapport aux ascendants, par exemple, des attitudes de soumission, au contraire des habitudes de réaction, etc. Et tout ça forme une sorte de magma, si vous voulez, qui fait que cela finit par prendre un caractère répétitif. N'est-ce pas ? Et donc, sans se rendre compte, on est formaté. Et ça, je pense que c'est très important, parce que la maison, c'est un cadre restreint, finalement. C'est un lieu qui est très limité. Et là-dedans, se crée toute une série de comportements qui deviennent des comportements culturels, d'une certaine façon, mais qui influent beaucoup, finalement, sur les locataires. Oui, la hiérarchie, elle peut naître effectivement à l'intérieur de la maison, mais ce qui est intéressant pour nous archéologues, c'est d'arriver à voir ce qu'était les hiérarchies
à une époque où nous n'avons pas de texte. Et comment se constituent les hiérarchies? C'est-à-dire qu'à la limite, nous pouvons les constater. Ça, c'est toujours intéressant en archéologie. Il y a le constat, puis on se dit, mais comment en est-on arrivé là? Autrement dit, les hiérarchies, on les voit. On voit qu'il y a des sujets qui sont bien dotés. On voit que vers la fin du néolithique, par exemple, peut-être même dès le néolithique moyen, voire au début du néolithique, il y a des hiérarchies. Alors, exemple, au 5e millénaire, les personnages qui sont enterrés sous les grands tertres carnacéens de la région de Carnac, dans le Morbihan. On a construit des tertres énormes. Je pense au tumulus Saint-Michel, par exemple, qui a plus de 100 mètres de long, une dizaine de mètres de haut, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de mètres de large. Tout cela, toute cette énergie manipulée par des tas de personnes pour enterrer quelques personnages. Et dans ces tumulus carnacéens, on trouve par exemple de très beaux colliers de perles qui viennent du sud de la péninsule ibérique. On retrouve des arches, n'est-ce pas, surpolies, dont le matériau vient des Alpes, etc. Donc on a affaire là des privilégiés, à des nantis, à des personnages qui, dans la hiérarchie sociale, pèsent de tout leur poids. Bon, on le constate. Comment on en est arrivé là? Comment il s'est fabriqué? C'est ça l'intéressant, c'est le phénomène, c'est le processus. Ça, on ne le voit pas. On constate à un moment donné, et ça c'est très souvent, ça se passe souvent en archéologie. On constate des choses, mais on ne voit pas l'émergence, la genèse, la naissance. Alors on peut prendre un autre exemple, ce qu'on appelle les rois de Mycène. Vous savez, dans le cercle A de Mycène et dans le cercle B de Mycène, on a trouvé, à côté de personnages peu dotés, des personnages très importants, avec des masques d'or, de très belles épées, etc. Ce sont des nantis, ce sont des privilégiés, ce sont des aristocrates, je mets ça entre guillemets parce que c'est très difficile à définir. Bon. Et c'est là qu'on a trouvé le fameux masque dit d'Agamemnon. Et Agamemnon, pourquoi? Parce que lorsque Schliemann, l'archéologue allemand, l'a fouillé, il était absolument obnubilé par l'épopée homérique. Et donc, il pensait avoir trouvé les rois achéens qui étaient allés se battre, évidemment, de l'autre côté de la mer Égée contre la ville de Troie. Bon. Donc, on constate ces hiérarchies, en quelque sorte, mais on a toujours du mal à savoir comment elles se sont constituées, comment leur genèse s'est, en quelque sorte, mise en place. Est-ce que ça produit de la frustration, à un moment donné, d'être bloqué, quoi, et de se dire... Non, non, au contraire, je dirais que ça incite à chercher pourquoi nous ne savons pas. Vous savez, c'est une fuite en avant, hein, la recherche. La recherche, c'est quelque chose qui vous brûle intérieurement et qui fait qu'on essaie toujours de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et donc, on progresse lentement quand même, parce que tout cela se fait au fil des découvertes, mais pas simplement au fil des découvertes, au fil aussi de la réflexion intellectuelle. Parce que souvent, des collègues peuvent avoir une intuition qui est l'intuition qui donne la clé. Alors justement, chez les archéologues, il y a une hiérarchie chez les archéologues. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie. Il y a souvent les gens qui sont plus âgés occupent des postes plus importants que les jeunes. Mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Un jour, les jeunes qui contestent les anciens seront à la place des anciens et seront contestés par la génération suivante. Donc, je pense que s'il y a une hiérarchie, c'est une hiérarchie en quelque sorte de situation dans le temps, mais ces hiérarchies se dissolvent totalement lorsqu'on est dans un colloque. Dans un colloque, ce qu'on veut, c'est des compétences. Que le bonhomme ait 70 ans ou qu'il en ait 25, le bonhomme de 25 est capable en quelque sorte d'avoir une idée, une pensée peut-être meilleure que l'ancien. Et donc là, les notions de hiérarchie, les notions de position sociale se dissolvent complètement. On est dans le face-à-face et dans le plaisir commun de la jubilation intellectuelle. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle Caïn Abel Ozi.
l'héritage néolithique, pour montrer à quel point l'arrivée de l'agriculture et le fait que l'homme de chasseur soit devenu un paysan a complètement modifié l'histoire de l'humanité. Braudel le disait d'ailleurs. Braudel disait finalement, il y a l'agriculture et il y a l'écriture. Il disait, et il avait raison. Alors, je suis un peu plus nuancé, je l'ai dit, sur l'écriture, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'agriculture, qui a colonisé pratiquement à peu près le monde entier, a modifié complètement notre relation au milieu. Hélas, l'homme l'a abîmé. Mais le néolithique, c'est au fond le socle sur lequel se sont bâties les civilisations historiques. Donc, nous sommes tous quelque part les enfants ou les petits-enfants du néolithique. Et l'héritage de Jean Guilhem ? Ben, l'héritage, c'est ce qu'on vous donne, en quelque sorte, ce qu'on vous met entre les mains. Moi, j'ai un héritage, j'ai l'héritage de ce que m'ont appris mes maîtres au lycée d'abord, mon père d'abord, amoureux d'histoire. Mon professeur de lycée qui m'a intéressé à l'histoire, qui s'appelait Louis Signol, puis les maîtres que j'ai eus à l'université, et puis un maître qui était Max Escalon de Fonton, qui m'a pris sur le terrain et qui m'a mis le pied à l'étrier, et grâce à qui je suis entré au CNRS. Donc, il y a déjà auprès de qui je suis débiteur. Alors, il y en a d'autres, bien entendu. Je peux en citer. Il y a René Nelly, qui n'était pas un archéologue, mais qui était un personnage carcassonné haut en couleur, poète, philosophe, spécialiste du catharisme, etc. Il y a Jacques Ruffier, qui lui était un médecin, n'est-ce pas, un anthropologue, à qui je suis redevable. Il y a d'autres gens, Christian Goudineau, Jacques Le Goff, Fernand Braudel aussi, que j'ai connu un petit peu. Voilà. Bourdieu. Bourdieu, alors Bourdieu moins peut-être, il a été mon collègue au Collège de France, mais Bourdieu m'a appris quelque chose lorsque j'étais candidat au Collège de France. Il m'a dit, enseigner au Collège de France, c'est facile et difficile, il me dit, parce qu'on se trouve devant un public qui n'est pas un public d'étudiants, qui est un public qui est le grand public en définitive, mais qui comprend aussi des spécialistes, bien entendu. Donc, il faut être très généraliste pour que tout le monde puisse suivre. Et puis, de temps en temps, il faut être très pointu pour montrer qu'on est le spécialiste. Alors là, les gens décrochent. Il ne faut pas les laisser décrocher trop longtemps. Et puis, il faut être généraliste à nouveau, et ainsi de suite. Donc, cette espèce de courbe cyclique, il m'a appris ça. Et effectivement, j'en ai beaucoup tenu compte ensuite dans mes cours. Ben, l'archéologie est une discipline d'érudition, d'une certaine façon. C'est un savoir. C'est un savoir qui se transmet, et donc, les gens qui ont commencé de faire de l'archéologie ont commencé à trouver des tas de vestiges, et ont essayé de les interpréter, etc. Il est très important de connaître l'histoire de sa discipline et comment le savoir dont nous disposons aujourd'hui s'est construit au fil des générations. Donc, il faut être érudit dans sa propre discipline. Et je ferai peut-être un reproche aux générations actuelles qui sont toujours sur Internet, qui ne vont plus en bibliothèque, qui ne lisent plus les bouquins, c'est que ces générations sont souvent prisonnières du savoir actuel, mais ne savent pas comment ce savoir s'est constitué. Et donc, n'ont pas en quelque sorte la profondeur de champ qui permet de savoir justement comment progressivement la discipline s'est mise en place, comment elle s'est enrichie, etc. De sorte que souvent les chercheurs d'aujourd'hui attribuent à un personnage de la génération précédente des choses qui sont des choses qui remontent à 4 ou 5 générations auparavant, dont l'érudition, elle est nécessaire. Bon, alors, je peux dire pour l'élevage ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'agriculture. C'est-à-dire que l'homme mange des végétaux, il mange de la viande. Et donc l'élevage, avec l'agriculture, c'est l'un des deux éléments caractéristiques du néolithique.
pour l'ancien monde, hein, parce que pour le nouveau monde, il n'y a pratiquement pas eu d'élevage dans le nouveau monde. Autrement dit, les gens qui se sont néolithisés en Amérique ont très peu fait appel à l'élevage, au lama, à l'alpaca par exemple, bon, à l'alpaga. Mais pas tellement, je veux dire, les viandes, c'est plutôt quelque chose de caractéristique de l'ancien monde. Voilà. Donc l'élevage, évidemment, c'est l'acquisition de viande au néolithique, surtout au début du néolithique. Les gens continuent de chasser, bien entendu. Autrement dit, on n'est pas passé du jour au lendemain de la chasse à l'élevage, bien entendu. Pendant longtemps, les néolithiques ont continué de chasser et ont eu un petit troupeau, en quelque sorte, un élevage relativement restreint. Et ça n'est que progressivement que l'on voit, au cours des fouilles au Proche-Orient en particulier, les espèces élevées dominer progressivement, statistiquement, les espèces chassées. Donc, c'est une politique de petits pas. Ordre. Moi, je pense à ordre social. C'est-à-dire une façon d'organiser la société et de la faire fonctionner. Alors, si j'essaie de prendre un exemple archéologique, je vais en prendre un, tiens. C'est les temples de Malte. Au 4e millénaire, on voit apparaître à Malte. Malte, c'est un archipel avec deux îles principales qui sont très à la fois assez aride, rocheuse, bien entendu. C'est une espèce de rocaille dans la mer, et si je fais un peu de poésie. Bon. Et ces sociétés ont bâti, à partir du 4e millénaire, entre en gros 3500 et 2500, toute une série d'édifices qui ne sont ni des habitats, ni des nécropoles, qui sont des temples mégalithiques, tout à fait originaux. Et pourquoi ces temples ? Probablement parce que il y avait des dominants, il y a toujours des dominants dans toutes les sociétés, des dominants qui assuraient la cohésion de ces populations en pratiquant certains rites, certaines cérémonies, probablement certaines processions à ces temples, qui permettaient de maintenir un certain ordre social, c'est-à-dire qui donnait un sens à ces sociétés, dont elle tirait les ficelles. Parce que qui dit ordre social dit toujours des dominants et des dominés qui s'arrangent évidemment pour donner une cohérence dans l'ensemble au fonctionnement social. Donc, je crois que ces sociétés ont fonctionné, ont connu un certain ordre social, tant que le système a tenu. Et puis, à un certain moment, l'ordre social ne tient plus. Je veux dire, on pourrait à partir de ce point, élargir les exemples, bien entendu. L'ordre social ne tient plus, il est remis en cause, exemple les gilets jaunes aujourd'hui, par exemple, bon, il est remis en cause, et donc il faut fabriquer un autre type de société. Mais ne nous y trompons pas, il y aura toujours des dominants et des dominés dans la société, dans cette société. En tout cas, cette société des temples de Malte, tout d'un coup, elle s'écroule, elle disparaît vers le milieu du... vers le milieu du troisième millénaire. Mais ces effondrements de civilisation, c'est-à-dire effondrements d'ordres sociaux, on en connaît des tas pour des raisons diverses, et dans son livre sur effondrement, par exemple, Diamond a bien montré comment régulièrement des effondrements se produisaient pour des causes qui peuvent être des causes sociales, des causes écologiques, mais souvent l'acteur qui est à la base même de ces effondrements, c'est l'homme lui-même, en définitive, par ses excès d'une façon ou d'une autre. Alors, origine, c'est tout. Nous avons tous une origine, il y a l'origine du monde, il y a l'origine de l'homme, il y a l'origine du néolithique, il y a... Bon, c'est... L'origine, la quête de l'origine, c'est une quête qui est incessante chez l'homme. On veut toujours chercher à savoir d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui a motivé, etc. Alors moi, travaillant sur le néolithique, je recherche évidemment
l'origine, la formation, la mise en place de ce monde nouveau, on peut le dire, à partir du néolithique, qui est également un point de départ. Pendant très longtemps, le néolithique, on l'a considéré, on l'englobe dans la préhistoire. De mon point de vue, c'est une erreur. Mais je suis un des rares à défendre cette opinion. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a mis le néolithique dans la préhistoire. Seulement comme la préhistoire a été faite surtout par des paléolithiciens, le néolithique, c'était un épiphénomène, c'était un bout de course. Et moi, je dis au contraire que c'est un commencement. Ça n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est une nouvelle naissance, la seconde naissance de l'homme, pour reprendre le titre de mes livres. C'est une nouvelle naissance, donc c'est une origine. C'est pas ? Et j'ai tendance à penser qu'à partir de ce moment-là, on entre dans un monde nouveau. Alors progressivement, bien entendu, on pourrait discuter, c'est pas une révolution, on parle de révolution néolithique, mais ça, c'est une expression, bien entendu, pour montrer que l'homme s'organise tout d'un coup différemment, tout d'un coup, au fur et à mesure, progressivement, différemment. Donc, le néolithique, c'est une origine, et je pense que c'est finalement l'origine de notre propre monde. On est là aux origines de l'histoire rurale, on est là aux origines de l'homme qui a servi la nature, qui la transforme, qui modifie son décor, qui la dénature d'une certaine façon, et tous les mots de caractère écologique auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui viennent du néolithique. Ils ne viennent pas du néolithique, je n'accuse pas les néolithiques, si vous voulez. J'accuse l'homme de ne pas avoir su partager, en quelque sorte, les éléments que la nature pouvait lui donner. C'est-à-dire que l'homme dénature son environnement, mais c'est pour mieux opprimer certains de ses semblables. Donc, cette origine qui aurait pu être si belle s'est transformée en un cauchemar. Alors, littérature, d'abord, il faut lire. Quand on est archéologue, il faut lire. Ne serait-ce que pour se tenir au courant de tout ce qui se passe. Moi, je passe souvent mes journées devant mon ordinateur à lire les certains PDF que m'envoient des collègues parce qu'il faut se tenir au courant, dont la lecture, comme l'érudition, les termes se rejoignent en quelque sorte, est quelque chose d'incontournable. Alors, littérature, j'écris deux romans, j'allais dire pour m'évader un peu de l'archéologie. Non, parce que ces deux romans sont des romans de caractère archéologique. Mais pour m'amuser un peu, c'est-à-dire pour pouvoir dire ce que je ne peux pas dire dans des publications scientifiques. La publication scientifique, elle est ingrate. Elle est toujours fondée sur des preuves qu'il faut démontrer. On écrit un mot, mais il faut dire, bon, ce mot, je l'ai puisé chez un tel, cette hypothèse, je l'ai puisé chez un tel, donc, il y a toute une, comment dire, justification, effectivement, qu'il faut rechercher. Le roman, c'est la liberté. On peut raconter ce qu'on veut, en quelque sorte, on peut prendre toute liberté avec le temps, etc. Donc, c'est une façon... C'est un dérivatif plaisant. D'ailleurs, j'écris des romans parce qu'il y a eu un moment où mon collègue Christian Goudineau avait écrit un roman. Là-dessus, Alain Testard a écrit également un roman. Donc je me suis dit, ben, je vais m'essayer au roman. J'ai fait ça un peu pour m'amuser. Puis j'en ai écrit un second qui porte sur un sujet un peu différent, bien entendu, dans le temps et dans l'espace. Et donc, pour moi, c'est la récréation. La lenteur, on l'oppose à la rapidité. Je crois que, effectivement, ce que nous appelons révolution néolithique, en réalité, c'est un processus lent qui a mis au Proche-Orient, par exemple, au moins 3 ou 4 millénaires à devenir définitif, d'une certaine façon. Donc, c'est un processus lent, mais qui, vu avec le recul et avec l'impact que cela a eu à l'échelle mondiale, apparaît comme une révolution.
Mais ça, révolution néotique, c'est une expression d'historien, je dirais, a posteriori, d'une certaine façon. Et le néolithique lui-même, lorsqu'il se répercute, c'est-à-dire lorsque progressivement, à partir de certains berceaux, il se répand à travers la planète, il peut prendre des formes rapides, c'est-à-dire aller très vite dans la diffusion, au contraire, relativement lente. Il y a des pauses. Moi, j'ai développé une hypothèse de la diffusion arythmique du néolithique à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des moments de progression rapide, en quelque sorte, du système de diffusion de l'agriculture et de ses recettes. Et puis, il y a des pauses. Il y a des moments où tout se ralentit, tout se calme, tout se reconfigure, et puis ça repart. Voilà. Alors, la lenteur chez l'archéologue, ensuite, alors là, l'archéologue, il n'a pas intérêt sur le terrain à être trop rapide. S'il veut observer au maximum, il a intérêt à être plutôt là. Mais l'archéologue de l'INRAP, pour prendre un exemple, qui lui sait qu'il a tant de jours pour mener telle fouille, doit faire preuve d'une certaine rapidité. Rapidité, j'entends bien, il doit en permanence faire des choix, voir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, et en quelque sorte, essayer de transformer sa mécanique, qui est une mécanique d'enregistrement de données, qui est lente, en quelque sorte, en une forme de rapidité, entre guillemets, pour saisir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, le couple lenteur-rapidité, il fonctionne toujours, en quelque sorte, en complémentarité. Il en faut, l'organisation, c'est très important chez les archéologues. L'archéologue qui est désorganisé, c'est quelqu'un qui aura des problèmes, évidemment. Bien sûr qu'il faut une organisation. Déjà sur un chantier de fouilles, il faut une organisation. Il faut un chef d'équipe, il faut des gens, des chefs de chantier, il faut s'organiser de manière à avoir déjà, mais ça on le fait à l'amont, toute une équipe de spécialistes qui vont travailler sur les objets ou les documents ou les prélèvements de tout ce qu'on aura pu mettre au jour. Donc l'organisation est absolument nécessaire. Je dirais même que l'archéologue qui est bien organisé et qui sait organiser est celui qui ira certainement beaucoup plus vite du terrain à la monographie. Oh, ben, l'organisation sociale existe chez les néolithiques, avec des différences de statut, bien entendu. Donc ces sociétés, elles sont organisées, elles sont organiques, elles sont systémiques, d'une certaine façon, c'est-à-dire que chaque élément fonctionne par rapport à une organisation globale, qui peut être une organisation de type familial, une organisation de type plus villageois, une organisation intervillageoise, etc. Tout est organisé au néolithique. Il ne faut pas croire que les néolithiques vivaient en quelque sorte près de leur lopin de terre, là, un circuit fermé. Non. Ce sont des sociétés de l'échange. Elles échangent des objets, des matériaux, elles échangent des objets finis, elles échangent des parures, elles échangent probablement des hommes, des femmes, etc. Il y a une organisation globale. Et tout cela est systémique. La guerre, c'est une vieille histoire. On a toujours pensé, et certains encore écrivent, que la guerre commence au néolithique. Parce que qui dit néolithique dit récolte, dit troupeau, dit réserve, dit stockage, et donc dit envie, en quelque sorte, jalousie, envie de prendre les vaches du voisin, les meilleures terres cultivables, d'aller lui voler ses stocks, etc. Donc, on a toujours lié le néolithique avec l'accumulation, le surplus, et donc automatiquement la guerre pour s'emparer de ce surplus. Je n'ai pas cette opinion. Moi, je pense qu'en réalité, la guerre peut être faite pour des raisons matérielles, ce serait le cas, mais qu'elle peut être faite aussi pour des raisons de caractère psychologique, écologique, etc. Une catastrophe écologique survient à un endroit donné. Le groupe va se déplacer, en quelque sorte,
et va essayer de vivre chez le voisin. Donc, en quelque sorte, on a là une explication un petit peu écologique. La démographie. Les sociétés qui sont en extension démographique ont besoin d'espace. Donc, elles peuvent aller se battre avec le voisin. Mais il y a des conditions qui sont des conditions de type purement psychologique. Vous avez une mort suspecte dans un village. Ah, c'est tel sorcier dans le village voisin qui nous a jeté un sort, probablement. Donc, on va aller lui donner une leçon, etc. Donc, la psychologie, les ruptures dans les alliances, les inimitiés, le besoin d'en découdre aussi. C'est-à-dire des choses qui sont des choses motivantes, en quelque sorte, dans la tête des gens, plus que dans l'estomac des gens, sont des causes de conflit et ont pu jouer. Donc, il n'y a pas que des raisons matérielles. Et pour ceci, j'aurais tendance à penser que la guerre existait déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Alors, évidemment, plus on remonte le cours du temps, plus on a du mal à retrouver des démonstrations. Mais j'ai oublié le nom, il y a un site qui a été trouvé chez les Néandertaliens autour de 50 000, 45 000, donc avant qu'il y ait un contact possible avec les sapiens, en Espagne, je crois, et qui montre que les Néandertaliens ont pu se battre entre eux. Alors bon, cet exemple peut-être sera discuté par les spécialistes, mais pour les périodes plus récentes, on a au Mésolithique des chasseurs-cueilleurs, à l'épipaléolithique, au Soudan, au Kenya, et même en Europe, des traces de guerre, en quelque sorte, ou de massacre chez les gens qui sont des chasseurs-cueilleurs, donc bien avant le Néolithique. Donc la guerre, c'est une vieille histoire. Est-ce qu'il en est de même pour la gaieté ? Oui, sauf que la gaieté, elle ne laisse pas de traces archéologiques. Alors, évidemment, je pense que les néolithiques n'étaient pas forcément des gens moroses, qu'ils devaient chanter, danser. Alors, la musique, par exemple, qui est un élément qui peut être lié à la gaieté, pas forcément, mais qui peut être lié, qui peut avoir un caractère solennel, mais qui est une façon d'exprimer. Bon, il y a des restes d'instruments néolithiques, pour le néolithique, d'instruments musicaux. Pour le néolithique, on en a par exemple, on a des flûtes, on a des trompes, on a des cornes. Il y a les lyres de l'âge du bronze, par exemple, ces espèces de longues trompettes que l'on trouve en Scandinavie. Donc, la musique est une façon, pour nous archéologues, de penser parfois à des formes de gaieté. La musique peut être triste aussi, bien entendu, ou elle peut être liée à des moments qui sont des moments plutôt lugubres. Bon. Mais on a aussi, pour témoigner de la gaieté, on a aussi des représentations souvent de rondes, de danse. Et ça, on pense que ça peut à la fois traduire la gaieté, parce que la danse, et notamment les danses collectives, c'est-à-dire les rondes, etc., c'est une façon de jeunes et vieux, riches et pauvres, puissants ou misérables, etc., d'intégrer dans une même action, dans une même activité, des gens qui peuvent être des gens de statuts différents. Donc, oui, il y a eu probablement des moments gays au néolithique, bien entendu. Alors moi, je ne suis pas un optimiste, du point de vue philosophique, je ne suis pas un grand optimiste. Mais je crois être gay, c'est-à-dire que par certains moments, dans certaines situations, j'aime bien la gaieté, j'aime bien la vie en société, j'aime bien m'amuser. J'ai longtemps aimé danser. Bon, donc je m'aime bien avec des gens gays, peut-être parce que les gens gays me stimulent, me donnent une forme de tonus que je n'aurais pas si je vivais toujours renfermé, comme je vis souvent, parce que pour travailler, il faut être isolé. Il faut avoir le calme, il faut avoir la tranquillité d'esprit. Alors l'intuition, c'est très important, l'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est pas simplement quelqu'un qui fouille, qui décrit ce qu'il a trouvé, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui doit interpréter l'être-vie.
C'est-à-dire qu'au second degré, le travail de l'archéologue, c'est de penser en quelque sorte, de donner du sens à ce qu'il a trouvé. Dont le mot intuition est important dans la mesure où telle découverte peut assurer une forme de déclic dans son interprétation. Et ce déclic peut aller très loin des fois, parce qu'il peut remettre en cause complètement des hypothèses anciennes et ouvrir la porte à de nouvelles suppositions. L'idée, c'est en quelque sorte ce qui soutient en quelque sorte le sens que l'on peut donner à une découverte, à une nouvelle façon de voir les choses, etc. Donc, il y a le matériel dans l'archéologie, c'est le concret, ce qu'on doit faire, et puis il y a l'idéal, c'est-à-dire en quelque sorte ce qui doit être recherché en archéologie, mais qui ne relève pas simplement du matériel, c'est-à-dire qui relève plutôt du comportement, de la croyance, de la façon dont on conçoit la société, etc. Donc c'est cette double facette matérielle et idéale qui entre dans le jeu de l'archéologue. Il y avait une théorie qui était celle de Cavalli-Sforza et Ammermann qui disait que finalement, le néolithique, le néo-proche-orient, et qui se répand à travers l'Europe jusqu'à l'Europe du Nord-Ouest, en gros, 4000 km en 4000 ans. Ouais. Donc, en gros, 1 km par an. Bien sûr, c'était une hypothèse, ça ne voulait pas dire que les néolithiques s'étaient déplacés au rythme d'un kilomètre par an. C'était un ordre de grandeur, en quelque sorte, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que ce néolithique, en se déplaçant, il se transformait. Autrement dit, la façon de construire les maisons, de tailler le silex, d'enterrer les morts, de décorer les pots de vase, etc. Changer au fur et à mesure que l'on allait vers l'ouest, vers le nord-ouest. Donc, et tout en même temps, tout en montrant en même temps, qu'il y avait de grands ensembles qui jalonnaient en quelque sorte cette progression. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, les zones de rupture culturelle étaient des zones justement où il y a eu des arrêts. Donc tout cela, pour le cogiter, ben, à la fois connaître les matériaux, connaître les résultats du radiocarbone, etc. Donc, je ne suis pas le seul à avoir réfléchi là-dessus, loin s'en faut. Donc, il faut accumuler un certain nombre de notions, en quelque sorte les malaxer dans sa tête et voir ce qu'on peut en tirer et construire une hypothèse, tout simplement. Je dirais pour nous archéologues, c'est fondamental. Autrement dit, nous les cultures, qu'est-ce que nous en savons? Nous voyons les constructions, nous voyons les sépultures, nous voyons ce dont l'homme se nourrissait, ce dont il se dotait pour s'individualiser ou pour s'identifier, c'est-à-dire la façon dont il taillait le silex, la façon dont il se grimait le visage, se décorait avec des types de parures, la façon dont il décorait ses peaux, etc. Tout ça, ça forme une culture. Et cette culture, elle a un aspect forcément identitaire, c'est-à-dire que par ses caractères, par son identité, elle est différente de ce qui se passe dans une culture voisine, dans des cultures voisines. Donc l'identité, la façon de s'exprimer par rapport à autrui, c'est quelque chose de fondamental en archéologie. Au fond, la diversité des cultures, c'est une diversité des identités. Je crois que ces cultures néolithiques, en quelque sorte, se caractérisaient par une culte des ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres, ce sont les fondateurs. Alors les ancêtres, je dirais qu'au fil du temps, ils se régénèrent, c'est-à-dire que les ancêtres très lointains, on ne s'en rappelle pas, mais les ancêtres immédiats, le grand-père, l'arrière-grand-père, si on l'a connu, on s'en souvient. Donc, ils transmettent en quelque sorte une culture, c'est-à-dire ils vous initient à leur savoir.
qui peut être un savoir de caractère pratique, technique, mais qui peut être aussi un savoir conceptuel, des idées, des façons de penser le monde, etc. Donc je crois que la transmission tout au long du néolithique, qui se fait notamment à travers certains rituels, certains comportements, etc., c'est un enchaînement d'initiation au cours du temps. Un archéologue doit être enthousiaste. C'est une discipline de passion, c'est bien connu. Mais cette passion, cette flamme, en quelque sorte, il faut la garder le plus longtemps possible. Un archéologue qui n'est pas enthousiaste, je ne vois pas très bien comment il peut fonctionner. Il faut être porté par le fait que quand même, dans le monde actuel, qui est un monde difficile, les gens qui font de l'archéologie quelque part, c'est-à-dire qui ont la chance de faire un métier, qui est un métier un peu particulier, justement un métier de passion comme je disais, ce sont quand même quelque part des privilégiés. Et donc ce privilège, il faut l'entretenir par l'enthousiasme, et d'une certaine façon essayer de faire passer son enthousiasme à ses propres élèves, bien entendu, mais aussi au-delà, je dirais, au grand public. C'est-à-dire, il faut montrer en quoi ce qu'on apporte à la connaissance peut être stimulant, peut être intéressant pour le grand public. D'où la nécessité de convertir le plus grand nombre de gens à l'intérêt de l'archéologie. Je suis né à Carcassonne. Mes parents tenaient un petit commerce qui d'ailleurs n'a pas tenu le choc devant la concurrence des grandes surfaces. Mais en même temps, j'ai vécu une enfance mi-urbaine, mi-rurale, parce que mes grands-parents étaient d'un petit village des Corbières, où j'allais passer toutes les vacances, les grandes et les autres. Donc j'ai vécu dans un milieu aussi, un milieu rural, qui d'ailleurs m'a servi, je dirais, m'a intéressé, parce que j'ai essayé de retrouver un peu cette vie rurale à travers mes recherches sur le néolithique. Il faut dire que moi, quand je vivais chez mes grands-parents, c'était une époque où tout était manuel. Il n'y avait pas le tracteur. C'était les bœufs, c'était les chevaux, tout se faisait manuellement, en quelque sorte le travail de la vigne, le fauchage, etc. Il n'y avait qu'une seule machine qui venait, c'était la machine à dépiquer, qui allait de village en village pour traiter les gerbiers, bien entendu. Donc, cette enfance rurale, et en même temps combinée avec le goût de l'histoire que m'a transmis mon père, m'a beaucoup incité à, par la suite, à faire d'abord de l'histoire, et puis ensuite de l'archéologie, et plus particulièrement l'archéologie du néolithique. Et alors les enfants du néolithique, maintenant. On les connaît moins, parce que d'abord les restes se conservent peut-être moins bien, et pendant très longtemps l'archéologie funéraire notamment, ou l'anthropologie du néolithique, a porté essentiellement sur des adolescents et des adultes essentiellement, et moins sur les enfants. On les voyait moins les enfants, et par exemple les nouveau-nés souvent dans les tombes collectives ils n'y sont pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore été agréés, si je puis dire, par la communauté pour pouvoir figurer lorsqu'ils meurent jeunes dans la tombe, nouveau-nés ou les enfants. Mais maintenant, c'est en train de changer. On prend de plus en plus d'intérêt au reste d'enfants. Et ces dernières années, il y a un certain nombre de publications qui ont paru et qui montrent justement que c'est une classe d'âge, en quelque sorte, qui petit à petit commence à prendre de l'intérêt et à être plus finement étudiée. Et voilà, nous arrivons à la fin de la liste des mots que j'avais prévus pour toi, et donc maintenant je te laisse choisir un mot, puisque une lettre et un mot qui te tient à cœur pour compléter un peu cette archéologie subjective et momentanée et fragmentaire. H. H, et quel mot ? Hypogée. Hypogée, parce qu'on parle beaucoup du mégalithisme, cette tombe collective, n'est-ce pas, du néolithique. On parle beaucoup des dolmens, des allées couvertes, etc. On parle même des hypogées. Or, les hypogées ont été une forme de tombe très largement prisée en Méditerranée, pratiquement au 4e ou 3e millénaire, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, il y a des hypogées.
sont des tombes collectives qui reçoivent évidemment des défunts. Alors, ça peut être des tombes individuelles, ça peut être des tombes souvent collectives, des tombes qui accueillent de nombreux sujets. Et on connaît de petits hypogées, on connaît les hypogées géants aussi, par exemple. L'hypogée de Al-Safieni à Malte, qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années, bien entendu. On aurait retrouvé les restes de 7000 personnes qui ont été enterrées là-dedans, au fil des générations, bien entendu. Donc, ces hypogées, c'est très important. Et alors, moi, j'ai étudié plus particulièrement, j'ai réétudié après d'autres, les fameuses hypogées d'Arles, Fontvieille, qui sont des monuments provençaux, qui sont uniques par leur architecture dans le cadre de la Méditerranée, et qui ont été des tombes collectives. Mais l'un d'eux, qui se trouve sur la crête même de la montagne de Corde, qui est un très grand monument, qui fait 45 mètres de long, je pense que ça a été plus qu'une sépulture. Je pense que ça a été aussi une sorte de sanctuaire, évidemment je mets le mot entre guillemets, parce que je n'en ai pas la démonstration totale, qui, d'abord par sa position géographique, dominait les autres hypogées qui se trouvent en contrebas, et par sa taille, par sa qualité, était probablement l'hypogée de personnages dominants, et aussi peut-être un lieu de recueillement où l'on venait, en quelque sorte, rendre grâce à certains ancêtres, à certains personnages qui avaient dominé les sociétés de l'époque, c'est-à-dire dans le courant des 4e, 3e millénaire avant notre ère. Et pourquoi ces hypogées, en fait, te touchent ? Ils me touchent parce que ils sont d'une certaine façon le reflet de la diversité des populations de ces époques. Il y a des hypogées où il n'y a que très peu de personnes, il y a des hypogées où il y a un nombre de personnes le plus important, il y a de grands hypogées qui ont attiré une foule de défunts, etc. Tout cela nous montre la diversité de ces populations méditerranéennes et en même temps leur complexité et les difficultés qu'il y a à les saisir, précisément en raison de cette complexité même. Et ben voilà. Et bien très bien. Alors qu'est-ce que tu vas me faire, tout ça? Et ben, écoute, déjà je vais le monter, et puis ben, d'abord je te le montrerai, et puis... Je sais pas, enfin, bon après le but c'est de le diffuser. Hein.